disais à tous, si vous aimez le foot, évidemment, vous êtes bien tombés parce que ce qui nous attend risque de vous plaire. On a hâte que ça démarre. Au commentaire de ce match, Benjamin Da Silva et donc mon acolyte, l'immense, le grandiose Omar Da Fonseca. Et nous sommes très heureux de retrouver le foot italien et ce match de Serie A. Et tout le monde est sur le qui-vive ici. C'est une très belle affiche qui se prépare. Quel plaisir de venir assister à cette symphonie. Les deux équipes ont accordé leur violon, leur tambour. Que la fête commence! Le coup d'envoi et le premier ballon de la rencontre. Ah, le ballon est perdu, fin de l'intervention. Meïté. Ouais, bonne agressivité à la récupération. L'équipe visiteuse qui aborde ce match avec une stat inquiétante, c'est tout simplement l'équipe avec le pire bilan offensif de ce championnat. L'attaque de l'équipe visiteuse est encore trop sage, trop timide. C'est le bilan offensif le plus néfaste de la compétition. Le ballon leur échappe. C'est contré, sans problème. La frappe contrée, bonne défense. Gonzalo Villar. Oh, le ballon qui est perdu. L'équipe progresse. Elle va maintenant essayer de mettre le danger. Attention à cette frappe. Un tir puissant, mais ça frôle le montant. Et l'arbitre lève son drapeau hors jeu. Per chi fosse interessato, vi ricordiamo che fuori dallo stadio sono presenti dei centri di raccolta per gli abiti.
la projection dans le camp de l'adversaire. Il y avait de quoi faire sur cette action, mais pas comme ça. En fait. Le ballon en touche. Ballon récupéré très haut grâce à ce bon pressing. C'est parti vers le second poteau. Oh, le chef-d'œuvre ! La merveille ! Quel but ! Ce ciseau acrobatique ! Mais quelle inspiration ! C'est un but pour mettre dans une galerie d'art. Regardez cette classe. Le premier but de ce match, donc 1-0 au tableau d'affichage. Attaque parfaite et on prime, le ballon récupéré. Il prend sa chance et la frappe passe très loin du but. La priorité, peu importe la distance, c'est cadré. Oui, bien joué, le bon mouvement là. Le ballon capté sans problème. Dépossédé du ballon. Gonzalo Villar. Le ballon est intercepté, c'est une bonne récup. Très bonne progression, balle au pied. Allez, hop, c'est dégagé, on prend pas de risque. Vraie faute, et l'arbitre là qui indique un coup franc. C'est une récupération du ballon sur cette action. Ouais, il est passé, c'est bien fait. Intervention et donc danger écarté. Bonne couverture avec son corps pour conserver le ballon. Voilà une bonne défense. C'est bientôt à la pause et pour l'instant ça se présente bien pour l'équipe qui joue devant son public. C'est plutôt un bon match pour l'instant, même si la situation est très serrée. La priorité c'est de maintenir ce but d'écart avant d'aller au vestiaire. Ouais, ballon récupéré grâce à cette interception. Et peut-être un bon décalage sur ce ballon.
Eh oui, le duel est remporté. Touche. L'attaque n'ira pas plus loin. Très bonne lecture du jeu. Alors qu'il n'y aura qu'une petite minute de temps additionnel. Ah, il lève bien la tête. Ouais, la parade. Ça y est, la première période arrive à son terme. Direction les vestiaires. L'arbitre vient d'indiquer le début de cette deuxième mi-temps. Place au jeu. Ouais, bon pressing pour récupérer le ballon. Et le ballon est récupéré par l'adversaire. Ah, il faut lui proposer des solutions là. Attention à ne pas perdre ce ballon. Ouais, bonne pression pour reprendre la possession. Allez, construction en redoublant les passes et sans aucune précipitation pour revenir au score. Ah, ballon rendu à l'adversaire. Soit lié au Maïté. Il va falloir déclencher là. Excellente intervention. Et voilà, c'est un changement donc. C'est un corner bien joué, bien frappé. Non, le geste défensif est manqué, le danger reste présent. Et là, ça ne passe pas. Harry Winks. Eh oui, le tir. Oui, c'est contré. Bonne défense. Ouais, une bonne charge. Et nous voilà maintenant dans la dernière demi-heure de jeu. Un petit ajustement tactique avec ce remplacement. Le ballon est récupéré sur cette interception. La projection dans le camp de l'adversaire. Attention à cette occasion. Et voilà ! C'est un nouveau but ! Ce but qui vient leur offrir deux longueurs d'avance. Quel était dangereux ce que passe. Vous voyez, la passe est vers l'avant, c'est elle qui vient casser les lignes. Et derrière, elle est intéressante, cette finition petit côté. C'est très bien joué parce que ça vient prendre le gardien à contre-pied.
Et ça fait donc 2-0 au tableau d'affichage. Ouh, la faute, et attention là, ce tacle, et du coup, on va voir ce que va dire l'arbitre. Et voilà un carton jaune pour cette action dangereuse. Le règlement est parfaitement appliqué. Et le staff décide donc de faire un changement. L'équipe locale a le contrôle du ballon et on voit bien que la progression des passes dans les zones dangereuses, ça permet de déséquilibrer l'adversaire et de mener largement au score. Soit lié au Meïté. Hendry. Excellent timing sur cette interception. Meïté. Et le tir. Ballon facile, évidemment, c'est pour le gardien. Oui, faute, l'arbitre intervient, c'est un coup franc. Voilà, un peu de fraîcheur avec ce remplacement. 37, Mehdi Leris. Entra con il numero 23, Manolo Gagliardini. Et nous voici dans le dernier quart d'heure maintenant de ce match. Ah, le ballon change de propriétaire. Et voilà une balle de contre-attaque à gérer. Ouais, bien joué, pas de faute là-dessus. Ouais, la bonne intervention, touche. Et le ballon change de camp. Meïté. Et toujours la progression dans le camp de l'adversaire. La frappe a beau être relativement proche du but, c'est sans danger. Effectivement, il s'en sort aussi mal. Ça bouge dans l'équipe avec ce changement réalisé par l'entraîneur. Ça sort des limites, c'est une touche. Gonzalo Villar, bien défendu. Allez, il faut lever la tête maintenant. Pressing haut sur le terrain. Attention, c'est pas terminé. Ah non, ça s'arrête là. Et c'est une frappe. Ah, la frappe est bien contrée. Ah, il va falloir déclencher là. Oh, la bonne parade. Un petit ajustement tactique avec ce remplacement. L'équipe essaye de surprendre l'adversaire.
Un ballon bien travaillé pour ce centre. Oh oui, l'arrêt magnifique. Cette tête qui semblait aller tout droit au fond du filet, mais le gardien a dit non. Très bien placé. C'est terminé, l'arbitre renvoie les deux équipes au vestiaire et l'équipe en déplacement finalement est bien sacrée. Cette défaite nette révèle une certaine timidité compétitive. L'attaque est trop étriquée, trop sage. Rien de grand dans le football ne s'est jamais fait avec de la retenue.